Voilà, mais écoutez, il est midi une. Merci de votre ponctualité puisque vous êtes presque tous là. Je vous propose de démarrer. Arnaud, je te laisse la parole pour présenter l'équipe. Arnaud, je veux juste remettre ton micro, excuse-moi. Désolé, merci de nous rejoindre pour ce point de rentrée de la gestion privée de TrustTeam. Avec nous aujourd'hui, Alban. Bonjour. Anita. Bonjour. Marine. Bonjour. Étienne. Bonjour à tous. Cyril. Bonjour à tous. Et moi-même, Arnaud Gardier, responsable de la gestion privée. Merci Arnaud. Donc, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée. Alors, nous avons traversé ensemble, il y a peu, chers auditeurs, la pandémie de Covid. Quand la situation s'est calmée, on était heureux de souffler un peu, vous aussi, je suppose. Malheureusement, ça a été de courte durée, puisqu'en février dernier est arrivée l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Cyril, est-ce que tu peux nous donner un aperçu du contexte économique actuel? Pour résumer la situation, plus d'inflation et moins de croissance potentiellement, c'est vraiment ce qui résume la situation actuelle. C'est la fin de 10 ans d'expansion alimentée par des politiques monétaires ultra accommodantes, à base de taux d'intérêt négatifs. On peut dire clairement que c'est la fin de l'argent gratuit. Et pourquoi? Parce que à la sortie de la crise du Covid, on a vu l'inflation repartir à la hausse. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, tout de suite après, il y a eu une explosion de la demande mondiale et une pénurie d'offres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on constate avec la Chine? C'est qu'elle n'a pas vacciné sa population et qu'elle a maintenu au contraire une politique zéro Covid en enchaînant les confinements, ce qui aggrave en fait la rupture des chaînes d'approvisionnement dans l'industrie. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Alban, plus récemment en Europe, depuis le 24 février, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix de l'énergie, bien sûr, explose, surtout pour l'Europe. Donc, à la place d'une inflation que beaucoup d'économistes pensaient transitoire, la perspective d'une inflation durable entre 8 et 10 % depuis le printemps dernier aux États-Unis et en Europe notamment, a fait paniquer les banques centrales. Et pour revenir à une inflation de 2 % l'an, hein, qui est le mandat notamment de la Fed, la Banque centrale américaine, cette dernière a remonté ses taux d'intérêt à un rythme inédit. Et elle l'a même encore démontré hier par un discours très agressif qui montre vraiment toute sa détermination à lutter contre l'inflation ces prochains mois. Alors jusqu'ici, côté résultat des entreprises ou croissance mondiale, pour l'instant, ça résiste, mais clairement, la visibilité est vraiment faible, très faible. À titre d'exemple, la Banque centrale a annoncé un objectif de croissance l'année prochaine pour la France qui est compris entre moins 0,5% et plus 0,8%, ce qui traduit bien aujourd'hui vraiment ce manque de visibilité. Et donc, si risque de récession économique il y a, c'est parce que les banques centrales, encore une fois, iront, elles l'ont annoncé, au bout de leur mandat qui est de lutter contre l'inflation, et cette dernière devrait malgré tout rester à un niveau finalement assez élevé. Dans ce contexte, c'est principalement, on peut le dire aujourd'hui, la zone euro qui est particulièrement vulnérable à cause de la crise énergétique, et puisqu'on pense qu'au choc de demande qui est induit donc par la hausse des prix, pourrait en plus s'ajouter un choc de l'offre qui, lui, sera causé par l'augmentation des coûts de production dans l'industrie à cause donc de la hausse des prix de l'énergie et de l'autre côté aussi de la hausse des salaires qui, elle, se constate aussi dans le secteur tertiaire. Donc, si récession il y a, on peut quand même penser et on espère qu'elle s'avérera relativement lente et transitoire parce que, justement, l'emploi est un facteur, un indicateur qui se maintient bien. Et on le voit déjà, l'ensemble des gouvernements, notamment en Europe, vont tout faire pour aider les ménages et les entreprises par des mesures de soutien budgétaire.
Alors, la question qui se pose aujourd'hui dans le contexte économique est de savoir si la baisse des marchés actions qu'on constate depuis janvier reflète déjà ces anticipations de risque de ralentissement économique et surtout, que faire dans ce contexte de marché. Merci beaucoup, Cyril. Alors, effectivement, quel est l'impact de tout ça sur vos métiers de gérant privé? Marine, est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Nous sommes passés, comme Cyril vient de le dire, nous sommes passés d'un monde avec peu d'inflation, des taux d'intérêt bas, voire négatifs, à une situation où les tendances se sont inversées rapidement, pour ne pas dire brusquement, notamment avec la hausse des prix des matières premières énergétiques. Quels sont ces changements? Il y a eu un rapport de force Est-Ouest qui est différent et qui touche particulièrement l'Europe. Un rapport au travail depuis le confinement qui a aussi changé, et particulièrement dans les pays développés, le retour de la volatilité et l'évolution des indices qui ne reflètent pas toujours la réalité économique compte tenu de leur composition. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on constate? Que les titres cotés ne manquent pas, mais cela ne suffit pas. Pour répondre à ta question, Alban, nous continuons de sélectionner les sociétés respectueuses de l'environnement, qui ont une expertise particulière, sont innovantes, sont sur un marché de niche et porteurs, exemple la transition énergétique, le numérique, l'intelligence artificielle et tant d'autres, et des sociétés qui ont une équipe dirigeante qui respecte les critères sociaux et environnementaux, qui sont responsables et cherchent des activités durables, qui sont solides avec une bonne gouvernance, mais qui savent et recherchent à satisfaire leurs clients, surtout en période d'inflation. Pourquoi? Parce qu'elles doivent avoir la capacité d'augmenter leurs prix sans que cela affecte leur croissance et leur marge. Et une hausse de 2 à 3% de prix est possible pour beaucoup de sociétés, mais avoir la capacité de les augmenter de 10 à 20% n'est pas donné à toutes les entreprises quand leurs coûts montent fortement. Actuellement, à notre sens, il est prudent de relativiser le discours optimiste des chefs d'entreprise et attendre la fin du troisième trimestre pour trancher. Nous restons bien sûr opportunistes pour saisir les occasions qui s'offriront à nous, tout en restant fidèles à nos convictions, à savoir l'importance de la satisfaction client, des critères ISR, investissement socialement responsable, qui, entre autres, excluent certaines valeurs, énergie fossile, défense. Et dans notre allocation, nous privilégions actuellement les fonds diversifiés qui pourraient profiter à la fois de la montée des taux sur certains rendements de certaines obligations, et aussi se positionner sur des titres qui respectent tout ce que je viens de citer, et donc la part action. Merci Marine. Tu as parlé de fonds diversifiés. Alors, il y en a plusieurs dans la gamme des fonds de Trusteam. Est-ce qu'il y en a un qui, en ce moment, est particulièrement adapté à la situation? Étienne, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, effectivement, Alban, le fonds Trusteam Rockflex semble particulièrement adapté à cette situation. Alors, quelle situation? Celle que vient de nous présenter Cyril et Marine. Donc, ça veut dire un contexte économique et géopolitique difficile et instable, et donc qui entraîne des marchés compliqués et avec une forte volatilité. Le fonds Rockflex est donc par définition flexible, ça veut dire qu'il présente des investissements en obligations et en actions. Donc le fonds du portefeuille obligataire, donc sur lequel Marine le disait à l'instant, on va pouvoir retrouver du rendement, déjà on retrouve déjà un petit peu de rendement. Donc le fonds du portefeuille est en investissement obligataire et une partie actions, donc actions notamment zone euro, Amérique du Nord et d'autres zones à l'international que le gérant essaiera de sélectionner. Donc, toujours sur des valeurs de qualité et qui pourra être orienté sur le fonds de 0 à 50% au maximum du fonds. À titre d'exemple, aujourd'hui, le fonds est investi à 30% en actions. Bien évidemment, ce fonds
à l'intérêt du fonds et donc sa flexibilité et sa réactivité. Réactivité qui permet donc de sortir du marché si c'est nécessaire ou de revenir, de réinvestir au gré des opportunités de marché. Bien évidemment, ce fonds rentre dans notre process d'investissement donc ROC, Return on Customer, donc qui veut que les valeurs dans lesquelles nous investissons sont les leaders de la satisfaction client. Donc, de fait, le fonds est labellisé ISR. Aujourd'hui, le fonds présente un risque de 4 sur l'échelle de risque qui va de 1 à 7. Et il peut être investi soit sur des comptes titres, soit sur des produits assurantiels, par exemple, type assurance vie, PER, et ce genre d'investissement. Voilà. Merci Étienne. Donc vous l'aurez compris, vos gérants privés sont au plus près des marchés dans cette période particulière. L'équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous propose justement que l'on réponde à vos questions. On en avait reçu quelques-unes en amont. Peut-être que tu peux nous les partager Anita et ça vous laisse ensuite le temps de poser dans le Q&R d'écrire vos questions que je poserai au gérant de l'équipe. Oui, merci Alban. Donc la première question s'adresse un peu à toute l'équipe. Pour vous qui avez connu d'autres crises sur les marchés financiers, est-ce que celle-là vous inquiète plus particulièrement? Ah, alors qui peut répondre? Arnaud, est-ce que tu veux commencer peut-être à répondre à cette question? Oui, volontiers. Alors, cette crise m'inquiète autant que toutes celles qu'on a pu connaître depuis 30 ans. Par nature, toutes les crises sont anxiogènes, mais chacune est différente par ses causes. On l'a encore vu cette année. Et la durée des crises varie. La différence depuis quelques années, c'est que les banques centrales sont à la manœuvre depuis 2009, la crise financière, et 2012 et la crise de l'euro. Les banques centrales ont été à la manœuvre, parfois à l'excès. On l'a vu dans les dernières années, des taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps, ce qu'on a appelé l'argent gratuit. Et puis, soudainement, en 2022, une remontée très rapide des taux d'intérêt, ce qui a créé un peu la panique actuelle. Le marché semble anticiper que cette remontée trop rapide des taux d'intérêt pourrait entraîner une récession économique, comme le disait Cyril tout à l'heure. Ceci étant dit, nous restons favorables sur le moyen terme. En termes de choix de valeur, notre process de sélection nous permet de choisir des valeurs qui ont une capacité à augmenter les prix, ce qui devrait être gagné en période d'inflation. De façon plus générale, il faut retenir qu'en période d'inflation, c'est favorable aux actifs risqués, donc les actions, les seuls capables de dépasser en performance l'inflation. Ok, merci Arnaud. Alors, on a une autre question qui est, dans cette période, sur quel support, alors je pense que par support, on entend enveloppe, vaut-il mieux investir? Anita, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, avec plaisir. C'est une question qui est très pertinente et à laquelle je ne peux pas donner de réponse unique puisque en fait c'est là que va intervenir notre expertise patrimoniale. En fait, pour chaque client, on prend le temps de faire un bilan global de son patrimoine et de ses projets, bien sûr. Et c'est là que, pour répondre du coup plus précisément, en fait, effectivement, on distingue le support du véhicule. Le support, en fait, ça va être le profil, enfin le mandat qu'on va choisir en termes de risque. On souhaite donner au client, notamment par exemple selon son âge. Et l'enveloppe, du coup, ça va être le véhicule d'investissement. Et par là, on va entendre par exemple un compte titre, un PEA ou d'autres produits de type assurantiel, par exemple. Et donc, selon les clients, pour vous donner un exemple un peu concret, si l'objectif premier du client va être la transmission, on va privilégier par exemple un contrat d'assurance vie. Merci Anita. Donc, en fait, il faut prendre rendez-vous avec son gérant privé pour choisir la bonne enveloppe. J'ai encore une question sur le sujet de l'immobilier. Que pensez-vous du marché de l'immobilier dans ce contexte? Arnaud, est-ce que tu veux bien répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Tout d'abord, l'immobilier a toute sa place dans un patrimoine financier diversifié.
que ce soit en direct ou à travers des SCPI. Les points positifs horizon 2022-2023, c'est que la construction va être pénalisée par la hausse des coûts des matières premières. Le ciment prend 30% sur l'année, par exemple. Ceci va soutenir le prix des logements existants. Les points négatifs, ce sont les nouvelles contraintes, que ce soit encadrement des loyers dans certaines villes, les nouvelles règles environnementales, je pense au DPE, qui va diminuer la rentabilité de ces actifs. Dernier point, l'immobilier reste un actif peu liquide. En période de crise, il est plus facile de liquider un portefeuille boursier que de l'immobilier. Donc, une juste répartition des actifs reste d'actualité. Bien. Écoutez, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être vous laisser une ou deux minutes si des questions arrivaient dans le Q&A. Donc, vous pouvez continuer d'en écrire, n'hésitez pas. En attendant, d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence et puis peut-être aussi terminer sur une touche positive dans cette période, puisque finalement, comme chacun sait, de toute crise naissent des opportunités, des éléments positifs. Et on en parlait hier avec Marine, justement, et je trouvais que c'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous retracer un peu notre conversation, Marine, à propos des crises? Oui, bien sûr, Alban. Effectivement, comme tu le dis, chaque crise peut être également salutaire. Chaque crise apporte son lot de difficultés, mais peut être aussi salutaire. Depuis 2008, nous avons traversé un certain nombre de crises importantes. La première, vous vous en rappelez, c'était en 2008, la crise de subprime qui a touché les crédits et prêts hypothécaires aux États-Unis, transmis au reste du monde. Le secteur financier a été touché. Et tout ça, ça a forcé les banques et les entreprises à assainir leur bilan et à assainir leur endettement. Ça, c'était le côté salutaire, qui leur ont permis de résister aux crises qui sont arrivées après. Ensuite, nous avons connu la crise de la dette de la zone euro qui doit parler à tout le monde, parce qu'à l'époque, on parlait de l'euro qui allait disparaître, qu'on allait revenir au franc, au Deutschmark, que la Grèce allait sortir de la zone euro, le Portugal allait suivre. Et en fait, ça ne s'est pas passé de cette façon. Et la zone euro on n'a pas assisté à l'éclatement de la zone euro, mais au contraire, il y a eu une cohésion entre les États européens pour soutenir leur économie. La crise sanitaire dont tu as parlé en introduction, Alban, nous venons de la traverser, et ça a été une crise mondiale, et a permis l'accélération. Ça a été difficile, on a de mauvais souvenirs de cette crise, mais ça a permis l'accélération de la digitalisation, de l'innovation, ou encore une fois, une meilleure coordination européenne, et les gagnantes ont su continuer à investir dans des solutions et services innovantes et surtout durables. Et enfin, on arrive à la crise actuelle, qui est la crise après la guerre en Ukraine et l'inflation, qui vont sûrement permettre, pour le côté salutaire, de repenser les chaînes d'approvisionnement, d'accélérer la transition énergétique, et on devrait, ou la sobriété énergétique, et on devrait progresser vers des solutions technologiques, numériques, encore plus durables et surtout agir plus durablement. Et je dirais en conclusion, pour le long terme, nous allons nous armer de patience. Et surtout, restons confiants. Merci Marine de nous permettre de terminer sur cette touche positive. Alors, on n'a probablement pas répondu à toutes vos questions. Si d'autres questions vous viennent, vous n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. On est à votre disposition. On vous donne rendez-vous en novembre pour un autre webinaire sur le sujet de l'épargne retraite. On va parler d'un outil formidable qui est souvent peu utilisé, qui est le PER, et puis d'épargne salariale. Donc ça sera pour le mois de novembre. D'ici là, encore un grand merci à tous de votre participation, de votre présence. Sachez que on est là et qu'on est à votre disposition. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter l'équipe gestion privée. On vous dit au revoir et on se donne rendez-vous au mois de novembre. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.